bien-aimé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Come on. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle. Mais comme vous, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec la reine Juliana. Voilà, qui. Oui, la reine Juliana, qui en tout cas est là. Avec laquelle je suis lancé dans cette expédition donc, du mariage depuis 12 ans, un jour et puis 12 minutes. Hein. Oui, effectivement, c'était un 10 décembre. Il y a 12 ans de cela. Wow. Wow. Donc aujourd'hui, puisqu'il est maintenant minuit, hein, voilà. Donc c'est quelque chose de spécial. Maintenant que les présentations sont faites, je suis comme un peu comme Jolie. Les amis, l'heure est grave. Que quelqu'un dise l'heure est grave. L'heure est grave. Le mariage subit les frappes répétée du royaume des ténèbres. Il faut que vous compreniez qu'ils ont mis sur le terrain leurs meilleurs agents. Divorce, séparation, violence, et leur star du moment, je n'ai plus de sentiments pour toi. Et il faut qu'on fasse une pause. Les amis, c'est pour cela, au péril de ma vie, je suis allé récupérer un document hautement confidentiel en Corée du Nord. Un rapport. Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Oui. Alors, que dit ce rapport? Il dit 50%, 50% des fiançailles n'arrivent pas à leur terme. Donc quelqu'un dit oh. Oh. Quand ça ne vous a pas voulu que soit 80% des bros et des sistas entre 26 et 40 ans sont célibataires. Oh. 35% des sœurs ne veulent pas que leur ex-fiancé se mette avec quelqu'un de leur entourage. Gère 6 dossiers en même temps. Oh. 5% des sœurs ont des tendances cougars. Oh. C'est-à-dire qu'elles se servent de la génération suivante. Oh. 73% des bros aiment les femmes juteuses entre 100 et 150 kilos. Oh. Et 13% des couples divorcent en milieu ecclésiastique. Les amis, ce n'est pas normal. Alors, il faut qu'on parle des clés concernant un mariage réussi. Trois clés principales, concernant un mariage réussi. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler du mariage comme une institution. Et comme toute institution, qui dit institution dit honneur, n'est-ce pas? Et tout ce qui parle d'honneur est dépourvu des sentiments. On honore les parents,
on honore les rois, on honore les autorités, on honore le mariage. N'est-ce pas? On honore donc les mariages. Et je pense que ce sont nos anciens qui ont tout compris. À l'époque, par exemple, ton père t'appelle, il te dit « Allez Grégoire, oui Grégoire, viens. » En fait, il y a la fille de Gilbert Boussougou qui arrive d'Allemagne. Elle a un bachelor en finance, elle a 25 ans, elle est célibataire. On lui cherche un mari pour renforcer les liens ethniques avec les Baoulés. Donc, tu as bien compris que c'est toi qu'on veut, n'est-ce pas? Toi et moi, on aurait répondu « Oh papa, déjà, je suis déjà fiancé et puis j'ai envie d'épouser une femme que j'aime. » Alors que eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient d'abord mariés, n'est-ce pas? Les sentiments seraient venus après, n'est-ce pas? De telle sorte que si jamais les sentiments voyageaient, le mariage demeure parce qu'à la base, ils n'étaient pas mariés sur les sentiments. Non pas que les sentiments ne sont pas importants, n'est-ce pas? Mais parce que l'amour matérialisé par le mariage est aussi bien des sentiments qu'une décision. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Quelque chose aussi de très important qu'il faut noter, le mariage subit effectivement, c'est quand même très important, les attaques de toutes parts. Tu es célibataire, tu as du mal à te marier. Tu es fiancé, tout le monde s'oppose à ton mariage. Ton père ne veut pas de ton fiancé parce qu'il a une tête de gangster. Ta mère ne veut pas de ta fiancée parce que son visage lui rappelle un mauvais café qu'elle a bu. Du coup, c'est très difficile. Donc, j'ai dit quoi? Trois clés principales pour un mariage réussi. La première clé, elle concerne nous les hommes. Marie, aimez vos femmes et dites-le leur. Quelqu'un dit, dites-le leur. Dites-le leur. Parfois, nous autres là, parfois, tu dis, Loulou, est-ce que tu m'aimes? Chérie, tu sais très bien à quel niveau je t'apprécie, je te respecte, tu sais combien je t'admire. Ok, ce soir tu n'auras pas le cookie. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et puis là, maintenant, oui, je t'aime. Non. Pas sous la contrainte, n'est-ce pas? Et la menace. Marie assume toutes les actions à l'égard de ton épouse. Emmène-la au restaurant. Emmène-la à Venise. Offre-lui des fleurs. Offre-lui de la lingerie fine, tendance, sexy. Et je dis bien lingerie fine. Pas les gros calbas, n'est-ce pas, qui sont le reflet de ton complexe, de ton embarras et de ta sanctification extrême. Offre-lui des ficelles. Et je m'arrête là pour nous autres. La deuxième clé, ça vous concerne, vous, mes frangins. Femme, respecte ton mari. Tiens-le en haute estime. Prends-le pour un roi. Oui. Et donc, par rapport à cela, on arrête avec les histoires quand on est fâché de Grégoire, un rigolo comme toi, tu peux m'emmener où? On arrête avec ça. N'est-ce pas, non? On arrête avec ça. Amen. Femme, l'homme ne vibra pas seulement de burger, de bière, de frites, de hachis parmentier. Il vibra aussi de madesu, de colombo, de sauce graine, avec du nyamakouin et de du pissa. Il y a un homme qui est d'accord avec moi, ça. Troisième point, je vais l'aborder de façon délicate parce que j'ai croisé quelques enfants dans des coins là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Le troisième point, c'est la sexualité. On va couper d'abord.
Le troisième point, vous m'entendez dans ma gueule, vous faites que je n'ai pas de problème. Le troisième point, c'est la sexualité. Livrez-vous corps et corps. Explorez tout le 2, 3, 4, 5, 6 pièces, ainsi que tout son mobilier. Non mais, on me dit j'exagère. D'ailleurs, il y a des gens ici, tu as une jeune mariée, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fais avec les habits à la maison? Voilà, il rigole. Adam et Ève, est-ce qu'ils avaient les habits? Non mais, je dis ça, il y en a ici là, jolie, nous autres là. Ce que je vais vous dire là, nous on expérimente ça déjà. Si vous ne faites pas ça, dans peu de temps, quand les enfants vont arriver, vous serez assigné à résidence. Il n'y aura plus que la chambre qui vous appartiendra. Et encore, parce que des fois, boum, sans premier. Est-ce que j'ai été clair? Trois points importants, merci de votre attention. You should thank him with the fruit of your lips.